Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et en ce 10 novembre, nous allons enfin pouvoir toucher à Fallout 4. Donc, bienvenue dans cette nouvelle série quotidienne sur la chaîne. Donc tous les jours, un épisode de Fallout 4. Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et on appuie sur une touche. J'ai déjà fait quelques tests son. J'ai déjà fait le début de la vidéo d'intro. J'ai fait mes tests au niveau... Alors, équipe, je sais pas à quoi ça correspond. Option, j'ai fait mes tests au niveau de l'audio. Au niveau de l'affichage, j'ai pas regardé encore. Visibilité des personnages, c'est à fond. Sous-titres dans les dialogues, on va les mettre. Sous-titres généraux, on va les mettre. Couleur de l'ATH, couleur Pip-Boy. D'accord, ok, donc ça, de ce côté-là, on va le tout laisser vert, hein, pour l'instant, en tout cas. Hop, on fait une escape. Hop, jouabilité, tiens, on n'est pas allé voir, je suis pas allé voir dans jouabilité. Normal, avoir CXY, non, manette avec, oui, je joue pas à la manette, hein, pour l'instant. En tout cas, ça se voit, je pense. Happy Boy activé, on verra ça ensuite, je pense. Option, commande. Ah, option, commande. Avancer, Z, hop, voilà. Ce qui vous permet de voir que vous aussi vous aurez à le faire, frapper à très puissante grenade, activer E, recharger, dégainer R, tab pour le machin, d'accord, ok, ça correspond à peu près à ce qu'on utilise habituellement. Changer point de vue, atelier, mouse 3, d'accord, sauter, shift, sprinter, d'accord, A, d'accord. Ok, mode furtif, LED contrôle, d'accord, courir C, oui d'accord, course auto caps lock. Déplacement auto X, d'accord. Favori F, sauvegarde rapide F5, F9, d'accord, ça c'est classique. Raccourci statut, donc les raccourcis je n'utiliserai pas, parce que pour moi il faut passer par le Pip-Boy, hop, voilà. Et ensemble on fait nouveau, chers amis, commencez une nouvelle partie, c'est parti. Hop, alors, allons-y. Alors je vais entièrement mettre l'intégralité de la construction du personnage. Et expliquer pourquoi je mettrai ces perks là, j'ai fait un petit tableau pour vous expliquer. Et je vous le montrerai, enfin en tout cas je vous l'expliquerai. Avec le build de survivant bricolo. Hop. Alors, Fallout 4. Normalement si ça commence comme Fallout, c'est la guerre. La guerre ne meurt jamais. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu une trace de pied, on est sur la lune, non on est dans du sable, qui est mouillé et sec. Avec des munitions. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé. Oui, c'est pas top ça. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. D'accord. Nous avons accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Ah oui, on ne peut plus portable. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Donc c'est ce qui nous arrive actuellement. Le monde entier est tombé en ruine. À nouveau, d'accord. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Ouh. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Tu m'étonnes. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. D'accord. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée. La guerre.
Ouh, j'en ai des frissons. Oh. Ah. Bon. Il y a du boulot. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Bon, alors, un instant. Voilà, re, chers amis. Donc, j'ai rajouté un petit peu de son, normalement. Hop. Bonjour, madame. F1, d'accord. AD pour changer le visage. Oula, non. Ok, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je tiens à préciser que je suis en ultra partout. Hop. F, visage. E, extra. F, visage, sculpté. Ok. S, style. Garde urbain. Non, non. Coupe élégante, pourquoi pas. Non, 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 non. La banane ? Ouh ! Mal dominant, non, non, non. Je vais laisser les musiques cette fois-ci. Tant pis. On verra bien. Beatnik, non. Est-ce que je peux te faire tourner, mon pote ? D'accord, oui, ok, non. On va remettre tout le temps en coupe militaire. Non, calvitie non plus. Cadre régénère non plus. Coupe très courte, non. Coupe gros dur, non. Mèche rabattue, surtout pas. Pervers, encore moins. Dégarni, encore moins. Mac, non. Prof de maths, non plus. Bad boy. C'est vrai que j'ai un prof de maths qui avait notamment cette coupe de cheveux là. Boxeur, non, pardon. Coupe courte, non plus. Intelligence stupéfiante, non plus. Coupe afro courte, non. Pionnier, non. Garde urbain, non. On va partir sur, je pense, coupe élégante. T'es allé chez le coiffeur ? C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Au niveau du front, je peux. Escape, voilà. Ok. Voilà. On va essayer de chercher à peu près ce qu'il nous faut. Ok. Regarde-moi de face. Ok. Voilà, pourquoi pas. E, accepté. Oh, et tout de suite. Les sourcils. Ok. Je pense qu'il faudra lui tourner les yeux. Hop, d'accord. On va la mettre un tout petit peu. Accepté. AD. D'accord. Ouais, pas mal. Arrête de bouger, s'il te plaît. Hop. Un instant. Voilà, re. Alors. Comme ça, on va pouvoir faire ça comme ça. Crac. Voilà. Quelle élégance. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait la moulette? D'accord. Ok. S et D. S et W, pardon. D'accord, ça écarte les deux si je me trompe pas. Ok. J'ai pas trop mauvaise allure. Comment ça, pas trop? Joue bas. D'accord. J'ai
Je sais pas ce que je viens de faire, mais c'est moche. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, la mâchoire. On va pas exagérer non plus. Ok, non, c'est un petit peu trop là. Alors, je vais devoir la différence. Ok, pourquoi pas. Ok. Très classe, si je puis me permettre. Ok. Le nez, la pointe, on va la remonter un petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce que ça change ça? D'accord. Hop. S et W. Voilà. Ok, ça me semble pas trop mal. Justement, on y vient. Hop. Si je pouvais le baisser un petit peu. Crac. Ça me semble pas trop mal. C'est... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Pourquoi pas. Bouche. Oh non, je voulais faire toute la bouche, moi, madame. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? C'est classe, non? Oula, je peux déplacer la bouche. Alors non, on annule. Bouche, coin, non. Eh, mais il est assez performant, l'éditeur, dis donc, ouais. Plus petite plutôt. Hop. Pas trop petite non plus. Pas mal. Pas mal. Au niveau du menton, c'est pas trop mal. On va le baisser un petit peu. Hop. Au niveau de la coupe, on est bon. Au niveau du nez, au niveau des yeux, maintenant. On va peut-être essayer de les rapetisser un petit peu. J'ai dit dans l'autre sens, s'il vous plaît. Hop. Pas mal. Pas mal. Couleur. Noisette. Hop. Tes yeux. Je crois que c'est ce que je préfère chez toi. Paupières, on y va. Ah, faudra aussi faire la... Qu'est-ce que tu en penses, chérie? C'est classe, non? Hop. Nez, bord. Ah. Voilà. Ton menton a du caractère. Ok. Voilà. J'aimerais aussi. J'aimerais aussi, si possible. Alors, comment je peux faire ça? D'accord. Séparer le... Vous savez le... Pas trop mauvaise allure. Là, voilà, c'est ça. Hop.
Le nez est peut-être un petit peu trop long en règle générale, faut que je le remonte un petit peu. On se demande pourquoi. Au niveau de la pilosité faciale. T. À la cool, non. Glabre, non. Gentleman, non plus. Affable, non. Viril, non. Non, non, non. On va mettre la classique, hein, celle que tout le monde a. Playboy. Non, surtout pas. Nomade solitaire, voilà. Tu préfères avec ou sans barbe ? Ah, je pensais qu'elle allait répondre quelque chose. Alors, j'essaie de trouver le bon endroit. Sean a tes yeux, c'est certain. Les oreilles maintenant. Tout ce que je veux pas, c'est qu'elle soit. Hop. Voilà. Hey, pas mal. Ok. Mon beau mari musclé. Alors je ne suis ni ça, ni trop pâle. Quoique je suis pâle de chez pâle, moi en fait. Ok. Au niveau de la couleur des cheveux. Ah non, je suis pas blond platine. Tu t'es fait une couleur ? Non, non, c'est ma couleur d'origine. Hop. Alors, voyons voir. Je veux pas les paupières haut, paupières bas, je veux juste là. C'est pas possible. Pommette arrière. Ah. Hop. Ok, les tempes. Ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais voir s'il n'y avait pas autre chose à faire au niveau du. Alors, type, c'est quoi ? Lisse. Parcheminé. Parcheminé, c'est pas trop mal. Type. Tes pommettes me font craquer. Buriné, lisse, rougeau, crevasse, ridé. Si je me mets en lisse, ça donne quoi? Ça change quelque chose? Il est pas trop mal. Pas trop trop mal, ne vous inquiétez pas, la durée de l'épisode va pas. Visage bas. D'accord, ça va être tout le visage en fait. D'accord. Par contre, je veux pas avoir à déplacer le visage. C'est bien ce que je pensais. Donc on annule. Visage bas, c'était. Allez, retrouve-le-moi. Là, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, chérie ? C'est classe, non ? Ok. La lèvre du haut, elle est pas assez grosse. Hop. Type. Moyen 1. Non, non, non. Proéminent, non. J'ai pas trop mauvaise allure.
Non, les sourires, c'est pas bon. Moyen 1, non, non, non. On va mettre ça. Pas mal. Hop. Voilà. C'est mon beau gosse à moi, ça. Type. Reposer. Reposer, reposer, fatigué. Fatigué. Petits yeux. Hop, fuyant. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pas mal. Pas mal. Ok, c'est pas trop moche. Hop. Ouh, on est sortis ensemble, je ne savais pas. On n'a pas un enfant ensemble aussi, tant qu'à faire. Si ? Oh merde ! Voilà ! Bah, il est pas trop moche. Je voulais pas qu'il ressemble trop au premier personnage, ce qui n'est pas le cas. Je peux aller jusqu'au cou, d'accord. Ok. Maintenant, est-ce qu'on doit sculpter, est-ce qu'on peut sculpter la mer aussi normalement? Alors, E, extra, tache, tache de rousseur, imperfection, grain de beauté, joue, non, surtout pas. Oula, non, non plus. Ok. Imperfection. Visage sévère, fond, imperfection, non. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Faut pas exagérer non plus. Lèvres colorées. Hop, remettons la première couleur. Hop, ça. Visage sévère, non. Non plus. Hop. Faisons des imperfections un peu partout. Joue. Hop. Non, j'en veux pas. Hop, parfait. En fait, plus on va faire d'imperfections, plus il semblera réaliste. Alors, je vois pas ça du tout. Je vois pas du tout. Salut, beau gosse. Mince. Faut pas que je clique, faut que j'appuie sur E pour le. Sur espace pour l'accepter, faut que j'y pense. Hop. Bon, c'est pas trop moche. Les dégâts. Non. Pas besoin de ce côté-là. Ok. De ce côté-là, c'est pas trop mal. B. Ah, par contre, là, c'est extrêmement simpliste. Je suis vexé. Massif, mince, athlétique.
On va le mettre par là, le bonhomme. Quand même, faut qu'il soit un minimum balèze. Hop, accepté. Oh, c'est mignon. Terminé. Hop. Il a une bonne tête. Et il est très différent de ce qu'on pouvait avoir avant. Hop. Et Nora. Bon, F5. Sauvegarde rapide. Et je fais une ellipse. Voilà, re, chers amis. Donc, petite sauvegarde. Enfin, petit chargement. Hop. Nous voilà donc dans le jeu. Le jeu est en mode ultra. On lit clairement les 60 FPS, c'est cool. Tiens, j'ai pas vu d'ailleurs dans les options la touche pour se saisir des choses. Dégainer, sprinter, SVAV, courir, d'accord. Pause, raccourci, inventaire. Ah, y a plus la touche pour se saisir des objets. C'est presque dommage. Là, il y a là un livre, une radio. Un drapeau, une montre. Encore cassé. Vive l'Amérique. Voilà. Appareil photo. Faut vraiment faire développer ces photos de vacances. D'accord. On va pas s'asseoir dans le siège non plus. Oh, de la glu. Donc je suis un bricolo de base. Il faudra qu'on la fasse dédicacer au prochain match. Tout à fait. Cube. Tu es spécial. Ah, référence au 3 quand il regarde quand il lit le bouquin pour savoir comment est le gamin, enfin comment lui-même il est, parce que c'est le gamin qui lit le bouquin lui-même, et surtout comment il sera plus tard. Bah, c'est la première phrase de son père en fait. Alors. Bidi. T'es mignon. Porte, ouvrir. Oh. Blast Radius. Non, je veux jouer. Bon, referme la porte. Ours en peluche. Qu'est-ce que vous faites par terre, monsieur l'ours ? Excellente question. Téléphone ? Ah non, c'est un thermomètre. T'es encore en train de te laver ? Il y a un truc dans le coin que je peux... Sèche-linge activé. On va laisser Cotsworth s'occuper de ça. Oui, c'est une bonne chose. Effectivement, t'as raison. Abraxo. Pour le nettoyage. D'accord. Là, il y a un robinet. Bon, tu permets, je ferme la porte. Tant que tu te dessapes. Bonjour, monsieur. D'accord, je te remercie. Oh, un grognac. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Oh, je te comprends. Mon préféré. Non, on va pas fumer. Par contre, il y avait du bourbon. Bourbon dès le matin, c'est un peu violent. Voltec. Lecteur de holobande. What? Je l'ai pas vu arriver là, elle. Je confirme. Est-ce que je peux boire mon café, s'il vous plaît ? D'accord. Du 5e peloton d'infanterie. Bon, je me bois un petit verre avant. Oh, ouais, mais attends, il y a un trou du cul qui vient me faire chier chez moi. Eh, hey, je dois avoir un chien. On ne trouvera jamais ce chien. Mais si, ça arrivera. Bon.
Bonjour. Bonjour, société Voltaire. Bonjour. Bonjour. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Tu changes de sujet. Je ne sais pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Je vous écoute. Eh bien, je vous écoute. Je vois ça. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée... C'est la voix du beau Jack. L'abri 111. Oh, t'avais la bouche fermée quand tu l'as dit. Et c'est intéressant. Intéressant. Oh, ça l'est. Vous pouvez me croire. Vous avez d'ores et déjà l'autorisation d'accéder à l'abri en cas de... destruction atomique mondiale. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. D'accord. Dites-moi plus. Vous pourriez m'en dire plus sur cet abri ? Oh, il a tout le confort moderne d'une vraie maison, pas d'inquiétude. Sans parler d'une protection totale contre les radiations nucléaires et les mutants hostiles. Comment saurais-tu qu'il y aurait des mutants ? C'est bien plus que notre mission. C'est notre passion. Ouh, il le vend son truc, hein. Bon. Bah écoute, on va répondre à vos questions. Si c'est gratuit, tout ça, et que c'est... dans le cas d'une attaque nucléaire. Vivement la fin du monde. Ça, ça me plaît. Alors. Alors, nous avons 21 points disponibles, chers amis. Sur ces 21 points, j'ai décidé d'en placer 4 en force. Ces 4 points en force. Alors attendez, je prends mon tableau. Hop. Ces 4 points en force nous permettront d'avoir accès à la création d'armures et d'armes de mêlée. Vous savez, donc au niveau des nouveautés de cet épisode. Nous allons mettre 4 en perception. Ces 4 en perception nous permettront d'avoir un pickpocket amélioré. Un dégât des armes en semi-auto, donc tout ce qui est fusil, etc., etc., donc moi que j'apprécie beaucoup. Plus d'infos via le SVAV. Et un meilleur crochetage, en règle générale. Au niveau de l'endurance, on va rester à 1. Pourquoi ? Parce que ça améliore la résistance du personnage, et pour l'instant, ce n'est pas une utilité réelle. Pour moi. Après, on pourra monter à 2 normalement via les bobbleheads. Vous savez, les petites statuettes. En charisme, on va monter à 9. Hop. Si je ne mets pas 10, alors il y aura une raison, c'est parce qu'on le 10, on l'obtiendra via la bobblehead, justement. Donc, avec ceci, on aura de meilleurs prix, de dialogues améliorés. On aura de meilleures capacités avec nos compagnons. On pourra pacifier donc les créatures, les animaux, et via la bobblehead, donc les humains. Extrêmement important. Donc pacifier, c'est-à-dire les menacer et les mettre hors de combat sans avoir forcément à les combattre. Ce que je trouve réaliste dans un univers post-apo. On pourra aussi créer des lignes de commerce, entre guillemets, entre nos différents sanctuaires, entre guillemets, vous savez, nos petits hameaux qu'on va pouvoir construire nous-mêmes. Et surtout, chers amis, on aura une bonne résistance à l'alcool. En intelligence, donc où toute l'XP donc, passe dedans. On va mettre 6 points pour avoir une map améliorée, donc en tout cas des conseils de map améliorés, de meilleurs soins, la possibilité de customiser nos armes à feu, la possibilité d'avoir un hack amélioré, de recycler plus ou moins l'intégralité de tout ce qu'on pourra trouver donc dans les terres désolées, et avoir accès à ce qu'ils appellent des modes high-tech. En agilité, donc tout ce qui est sneak, etc., etc., et le point d'action, SVAV, tout ça, etc., 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 on va laisser à 1, et on améliorera ça via la bobblehead à 2, ça sera largement suffisant. Et en chance, chers amis, du coup, on va mettre 3, les 2 points qui nous restent. Pour avoir la capacité d'avoir un meilleur loot, des critiques améliorées, et aussi, forcément, le Bloody Mess le plus rapidement possible, qui nous apporte 5 points de dégâts en plus. 5% de dégâts en plus, et des explosions un peu partout. Voilà le build que j'ai décidé de nous faire. Ensuite, je vous rappelle que ce build va gagner en règle générale, plus 1, plus ou moins partout, en fonction des bobbleheads qu'on va trouver. Au niveau du nom, forcément, vous le connaissez déjà. Hop, c'est parfait. Et on peut maintenant accepter. Formidable, je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir.
Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Tout à fait. Bonne réponse. N'est-ce pas? Monsieur Marcus. J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Codsworth? Allez, allez. Comment un si petit bonhomme peut boire autant? Que vous vous occupiez personnellement de Sean. Un enfant a besoin de son père, c'est normal. Tu es gentil. T'as de la chance d'être gentil. Allons-y. Ça c'est moche par contre. Alors. Juste pour nous voir. Non, ça va, on ressemble pas au personnage de base. Alors. Salut Sean. Alors, comment vont mes hommes préférés ? Ouh. Il est un peu immobile. Il adore ça. Oui, madame. La TV, c'est comme la vraie. Elle tourne en boucle. Ça va mieux ? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Bonne idée. Ouais, bonne idée. Madame, tout à fait d'accord. Monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth ? Si je peux prendre le bébé ? Oula. Que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Les sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oui. Le gamin, tu l'as ? Courez! Allez, vite, passez devant! Les postulants, ça veut dire que les rares élus. On va pas sprinter, ce serait stupide. Donc le sprint prend nos points d'action, d'accord, intéressant. Ce qui veut dire qu'en fait, sans agilité, je vais avoir moins de points d'action et moins de capacité à sprinter. T'as beau être un représentant, t'es pas élu. Sinon, rentrez chez vous. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. C'est bon. Merci. Merci. Dieu nous aide. Suivez-moi. Allez. Oui, allez, vas-y, passe, chérie. Qui sont de l'autre côté de la barrière. Allez, dépêchez-vous. Alors. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Allons-y, monte. Bien au milieu, parfait. On y est presque, tout ira bien. Je vous aime, tous les deux. On t'aime aussi. Oh putain. Alors c'était balèze déjà dans la cinématique. Descendez tout de suite. Accroche-toi, on peut pas aller plus vite. Aidez-moi. Oh, t'es juste, hein. On a failli se bouffer le souffle. Et B, si c'est pas ce qu'on appelle un départ sur les chapeaux de roue. Monsieur Russell. On a réussi. On y est. Alors il y en a qui disaient que le doublage était médiocre. Certes, il est pas excellent, mais il est passable. Montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un navire meilleur sous terre. D'accord. Et Nora, avance. Vas-y, Nora. Nora, avance. L'escalier. Qui est con. Nora. Allez, viens. Oui.
Homme. Femme avec enfant, s'il vous plaît. Bien. C'est joli. C'est vrai que ça fait 9 comparé à ceux qu'on voit dans Fallout. Prenez une combinaison, puis suivez le coup. Là-bas, prenez une combinaison. Hop. Oh, il est gros celui-là. Une combinaison par personne. Maintenant, suivez le coup. Prenez tous une combinaison. C'est ce que vous porterez dans l'abri. Bonjour. Au bout de ce couloir, juste là, suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Déjà, ça de base, j'aime pas. Tu vois, c'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. D'accord. Ça, c'est bien fait tout ça. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Russie. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici ? Le temps qu'il faut. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Ouais. Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. On est paré pour l'avenir, pas vrai ? Ouais, je sais déjà ce que c'est comme truc. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Alors, fiston. Je ne vais pas loin, je serai juste là. Ça va aller. Le voilà, tu vois. Papa n'est pas loin. Mon cœur. Vas-y. Entrez là-dedans et enchaîne avec votre combinaison. Capsule de décontamination. C'en est clairement pas une. Ah d'accord, je l'ai enfilé, ok, c'est cool. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. Menteur. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Un truc qui va... What ? 5, 4. Ah c'est con, je tourne la tête sur la faute, sur la comment, la truc. Donc tant pis, ma chérie ne verra que mon profil. C'est donc bien une capsule de cryogénisation. Chaque abri a une expérience à l'intérieur, et celle-ci c'était la cryogénisation. What? Aglagla? Aglagla, j'ai des glaçons à la place des roubignoles. What the fuck? Mystérieux personnage. What? Qu'est-ce que tu vous foutais? C'est ma femme. Il a pas l'air trop méchant. Non. Putain. L'avantage c'est que si elle est recryogénisée, la blessure sera pas... Normalement la blessure n'aura pas le temps de le tuer par contre. Enfin de la tuer. Parce que tout le corps est gelé. Après, ça veut dire qu'elle va crever dans mes bras quand on sera redécongelé. Oh putain. Vive le rayon surgelé, quoi. Ah, elle aussi, elle a décongelé parce qu'elle est tombée, ce qui n'est pas bon. Ok. Bon.
Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver les liens dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo sur le jeu Fallout 4, la quotidienne, qui normalement devrait nous tenir en haleine pendant très longtemps. Quant à moi, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et hop. Je me rappelle plus c'est quoi déjà. Bon, sauvegarde, hop. Sauvegarde rapide. Et hop !